s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Nous allons bientôt les arrêter à Nothing Gulch. Il ne se passe rien à Notting Hill, et c'est justement ce qui me plaît. Oh. Oh, j'ai raté une bonne occasion de me taire. Je ne vous conduirai pas plus loin, Monsieur Boston, si vous refusez de me payer $1,000 de plus. Frank Malone, nous vous avons déjà payé pour que vous nous conduisiez jusqu'en Californie et pas seulement au Texas. Vous n'êtes pas un capitaine de caravane, vous n'êtes qu'un voleur. Je ne laisserai personne me traiter de voleur. Vous aurez de mes nouvelles, on s'en trouvera. Merci de votre aide, étranger. Je m'appelle Lucky Luke. Lucky Luke ? Le célèbre Lucky Luke ? Et alors, on ne dit rien du fidèle et célèbre cheval du célèbre Lucky Luke ? Monsieur Luke, accepteriez-vous d'être notre nouveau capitaine de caravane ? Non. Alors accepteriez-vous un dîner en famille en guise de remerciement ? Oh, si vous insistez. Mais surtout, rien de spécial pour moi. Je ne me doutais pas de ce qui se préparait quand j'acceptais l'aimable invitation de Monsieur Boston. Voici des fleurs pour notre héros Lucky Luke. Merci beaucoup. Où vas-tu, Phineas? Tu oublies le reste du discours que je t'ai appris? Je veux pas le dire. Même pour une douzaine de sucettes? D'accord, je vais le dire. Ce n'est qu'une petite collation préparée en votre honneur, Monsieur Luke. Servez-vous. Merci beaucoup. Pitié, pitié, Monsieur Luke. Vous êtes le seul à pouvoir nous conduire en Californie. Sans vous, nous sommes perdus. Ne nous abandonnez pas, je vous en supplie. Phineas, ça suffit. Nous sommes si malheureux. Nous avons besoin d'un capitaine de caravane comme vous. Là, Phineas, tu en fais trop. Alors, donne-moi mes sucettes. Allons, donnez-lui ses sucettes, il les a bien gagnées. J'accepte de conduire la caravane en Californie. Permettez-moi de vous présenter quelques membres de notre caravane. Voici notre institutrice, Madame Lydia Littleton. Madame. Voici Monsieur Pierre, un coiffeur de Paris. Bonjour, l'ami. Et voici Ugly Barrow, le meilleur conducteur de mule de toute la caravane. C'est dit, mais ça verra, l'ami Barrow. Il a certes un langage un peu vicieux. Ah, voici un chien perdu que nous avons trouvé errant sur la piste. Non, mais c'est pas possible. Mais je connais cette voix, c'est mon vieil ami Lucky Luke. Mais on dirait bien ce chien de garde vagabond rentemplant. Je connais ce nom-là aussi. Le climat se détériore rapidement. Et quelques autres chariots se joindront à nous pour notre long voyage vers la Californie. Est-ce que cette caravane va bien vers la Californie? Oui, chère madame.
C'est une nouvelle recrue. Oui, ben en voilà une autre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Enfin, pouvait être. Ceci était mon merveilleux chariot à voile. Je m'appelle Zachary Martins, inventeur de génie. Je m'appelle Lucky Luke, pauvre capitaine de caravane. La caravane au complet, nous étions prêts à nous mettre en route. En route! Je présume que ça signifie la même chose que... Yaha! Yaha, Charlie! C'est bien ce que je disais. Tout va bien jusqu'à présent, n'est-ce pas, capitaine? Peut-être. Ça dépend de qui essaie de nous rattraper. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Pas possible. Vous avez l'intention de vous joindre à nous? Mais certainement. En Californie, les gens meurent d'envie d'avoir un croque-mort. Compris? Il n'est pas habitué à un public très vivant. En avant! Mais vous n'irez pas très loin sans mule, monsieur Martins. Les mules, c'est dépassé, monsieur Luke. Maintenant, j'ai mis au point ce mouvement à ressort sur mon chariot. Permettez-moi de faire une petite démonstration. Il suffit de relâcher le frein et... Oh, putain! Oh! Quel drôle d'oiseau! Il faut trouver une place dans un autre chariot. Moi aussi, j'ai des ennuis. Mon essieu est cassé. Cet essieu a été scié. Phineas, est-ce là encore une de tes mauvaises plaisanteries? Non, j'avais jamais pensé. Mais c'est un bon truc. Une fois la roue réparée, la caravane continua. Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait un traître parmi nous. Mais je ne savais pas qui. Quelqu'un a coupé les harnais! Ah, dommage! Voilà encore un bon truc auquel j'avais pas pensé. Allez! Voilà, je vous tiens, l'ami! Je vous tiens, mais c'est moi qui tiens à tout! Que quelqu'un m'aide à descendre! À moi de jouer! Oh. C'est moi qui ai trouvé ce truc tout seul! C'est bien la première fois que ce gamin fait ce que je lui demande! Ces harnais ont été coupés au ciseau. Quand nous aurons trouvé le bandit au ciseau, nous aurons trouvé le coupable. J'adore être toiletté. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de ciseaux dans cette caravane. Ouais, ce sera plus difficile qu'on ne le pensait de trouver le coupable. Reculez, messieurs. Quand je tournerai cette manette, mon chariot à vapeur entrera dans l'histoire. Ça, c'est une entrée vraiment fracassante. Il faut une place dans un autre chariot pour monsieur Martins. J'ai entendu le tonnerre, mais je vois pas de nuages. Et maintenant, je vois plus rien du tout. Mais j'entends encore le tonnerre. On commence la partie difficile du voyage, monsieur Boston. La traversée du désert. C'est surtout difficile pour moi. C'est moi qui ai du sable dans les sabots. Merci de m'avoir pris, cher monsieur. Pour vous montrer ma gratitude, je vais faire de votre corbillard le véhicule le plus rapide de l'Ouest. Oh, c'est très aimable à vous, mais d'ordinaire, mes passagers ne sont pas très pressés. Nous étions pressés, mais les sables du désert nous ralentissaient. Alors, quel drôle de chien! Je crois qu'il veut jouer!
baisser, bien sûr. Rentre en plan. La Californie, c'est par là. J'espérais que Luc n'aurait rien remarqué. Rentre en plan. Reviens ici. Nous, les chiens, nous aimons obéir. Mais il semble que d'habitude, le sol soit plus dur. Là, je te tiens. Tu devrais faire attention à ces sables mouvants. Et moi aussi, je crois. Vous pensiez que je n'étais là que pour la promenade. Alors, regardez un peu ça. Merci, mon vieux Jolly. Et Rentemplant aussi te remercie. Qu'il garde pour lui ses remerciements et surtout ses puces. Il faut que je prévienne la caravane du danger d'enlisement. Wow! J'arrive un peu trop tard. J'adore ce petit jeu-là. La prochaine fois, je ferai attention de ne pas sauver n'importe qui. Permettez-moi, madame. Permettez-moi, madame. Malgré nos efforts, nous n'arrivions à rien. Enfin, la plupart d'entre nous. Heureusement, nous avions de bonnes réserves d'eau. Voici ta part, Rentemplant. Je passais la nuit sans sommeil à réfléchir à notre situation. Quelle façon épatante de s'endormir. Puis le vent se leva et le sable en tempête déchaîna les malheurs qui rôdaient sur nos têtes. Oh, c'est beau, on dirait du corneille. Lorsque le jour se leva sur le désert, je compris que la nature avait bien fait les choses. La tempête de sable avait dégagé nos chariots. Allez, viens, Rentemplant. Nous ne voulons pas que la caravane parte sans toi. C'est une opinion personnelle. Tout en traversant les sables brûlants, je continuais à me demander quand le traître frapperait à nouveau. Je ne me doutais pas que c'était déjà fait. C'est le désert le plus humide que je connaisse. T'as l'air de te lever, allez, c'est vide. Et puis celui-là aussi, ma femme, je connaissais du maillichon. Ce baril me semble vide. Non, le baril, les barils sont tous vides. Luc, quelqu'un a fait des trous dans tous nos tonneaux. Oh, chic! Je serai plus obligé de me laver derrière les oreilles. Qu'allons-nous faire, Luc? Demi-tour? Non. Mais je ne pourrai plus vous faire la barbe si je n'ai plus d'eau. Donnez-le barrique! Avez-vous voulu dire que... Ouais, nous continuons. Et je vais rationner l'eau qui nous reste pour la fin de notre parcours. Oh, ce ne sera pas nécessaire, monsieur Luc. Avec ce corbillard à grande vitesse, je pars en éclaireur pour chercher de l'eau et je serai de retour bientôt. Vous êtes prêt, monsieur Martin? Fait. Ah, j'ai dû commettre une légère erreur. Pas du tout. Vous avez crevé les nuages. Remplissez les tonneaux, les amis! Sauvez! Mon invention! Mon corbillard! Réjouissez-vous, vous avez sauvé la caravane! Ah, c'est le moment de te laver les oreilles, petit! Cette pluie inattendue provoquée par M. Martins nous permit de traverser sain et sauf le grand désert jusqu'à la civilisation. Quand je dis civilisation, c'est pour rire. Crazy Town était une affreuse ville frontière avec une population grossière et brutale. Nos hommes pensaient pouvoir se changer les idées. Mais nos femmes pensaient le contraire. La caravane fit un grand détour pour éviter Crazy Town et se trouva bientôt au fond d'une gorge étroite. Espérons que personne n'arrivera en face.
Regardez, il y a quelqu'un qui arrive en face. Caravane, halte! Il pourrait prévenir avant d'arrêter. Salut, grand-père. Ça vous ferait rien de reculer pour laisser passer ma caravane? Pas question! Si j'avais reculé devant personne, et je vais pas commencer maintenant. Il est têtu comme une mule, sans vouloir offenser personne. Alors que fait-on, Luc? Il n'y a pas de solution. J'ai une bonne idée. Lâche-moi les poignets, je vais faire un petit peu là. Lâchez-moi, je la prends! Vous n'avez pas le droit! Fameuse idée, Luc, de déplacer le chariot en le démontant. Ouais, maintenant nous pouvons tous continuer. Et vous n'avez pas eu besoin de reculer. Eh ben, la jeunesse. Une fois de plus, nous faisions route vers la Californie sans un souci à l'horizon. Luc, qu'est-ce qu'il y a là-bas à l'horizon ? Des ennuis. De la pluie ? Non, des Indiens Sioux. Je vais aller en reconnaissance. Je vous parie mes quatre fers que je vais devoir y aller aussi. Ya, Charlie ! Je me trompe rarement, faut dire. Si nous avançons sans bruit, la caravane devrait passer sans être vue. Sans un bruit, ben c'est réussi. Quelqu'un a fait sauter notre chariot de vivres. Et j'ai entendu. Le traître a encore frappé. Phineas ? Oh, c'est pas moi. Je venais d'arriver pour chercher une tartine. Nous ne pouvons pas continuer sans la cuisine. Oui, ben là n'est pas la question, mon vieux. Mais maintenant, les Sioux ont vu la fumée à l'horizon. Moi, voir fumée à l'horizon. Moi, envoyer message. Chef, regardez, il y a fumée à l'horizon. Moi, bien voir, mais qu'est-ce que dire, fumée? Il y a fumée à l'horizon. Ah, toi, chercher, énervé, grand chef. Non, moi, pas chercher, chef. Moi, pas, ma faute, si. Il y a fumée à l'horizon qui dit il y a fumée à l'horizon. Puis-je emprunter votre couverture, madame? Certainement pas, mon garçon. Merci quand même. Tenez, Luc, prenez la mienne. Vous avez froid. Les Sioux doivent déjà savoir que nous sommes ici. Alors je ferai aussi bien d'envoyer mes propres signaux de fumée. Pas dire que cette fumée à horizon dit il y a fumée à l'horizon. Non, elle dire veuillez annuler précédente fumée à l'horizon qui disait il y a fumée à l'horizon. Où allez-vous, grand chef? Oh, sous mon tipi, avoir grosse migraine. Je comprends votre idée, Luc. Nous roulons de nuit pour filer sous le nez des Indiens. Non. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fabrique ici dans cette maudite obscurité de malheur? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Nous sommes sur le point de rompre avec une vieille tradition du Far West. Oh, chef, réveillez-vous! Oh! Va pas dire encore fumée à l'horizon. Non, pire. Quelqu'un rompu avec vieille tradition du Far West. Les chariots nous encerclent au lieu d'être encerclés par nous. Ah, grosse migraine recommence. Comment ça va? Très mal, merci beaucoup. J'expliquais au chef que nous ne cherchions pas querelle, mais seulement des provisions. Et les Sioux furent très contents de conclure un échange. Toi, avoir beaucoup de scalp, toi, être un grand chef. Toi, promettre de jamais dire que caravane a encerclé Wigwam. Ouais, c'est promis, grand chef. Alors, mettons-nous en route. Mais où est Phineas? Me voici. Au revoir, petite plume. Il ne reste plus qu'une chaîne de montagnes entre nous et la Californie. N'oubliez pas que le traître est toujours parmi nous. Un chariot s'est détaché! Malédiction! C'est la petite vieille dame! Gare, Charlie! Vite! Encore un passage à vous couper le souffle. Oui, enfin, c'est moi qui suis essoufflé. Ne vous en faites pas, madame, je vous tiens. Pauvre petite chose, elle s'est évanouie.
pauvre petite chose, c'est un mannequin. Mais où est passée la vieille dame? Là-haut, cow-boy! Ah, Frank Malone, c'était toi le traître! Je t'ai eu, hein? Oh, je ne l'aurais pas reconnu. Et maintenant, je vais t'aplatir! File, Johnny, file! C'en est fini de Lucky Luke. Frank Malone! Votre nouveau capitaine de caravane, Frank Malone! Maintenant, vous allez me payer le double pour vous conduire au-delà des montagnes. C'est Lucky Luke, notre capitaine de caravane. Plus maintenant, gamin. Passez-moi tout votre argent, je vous abandonne dans ces montagnes. Claire, pas échoué, quoi, ouais, pas échoué. Privé de guide, nous sommes perdus, oui, complètement perdus. Vous n'êtes qu'un scélérat, Malone. Vous ne croyez pas si bien dire, ma petite dame. Suivez-moi. Mais nous ne pouvons pas suivre aussi vite. Je le sais bien. Adieu, imbécile. Les chiens, ils peuvent suivre facilement. Mais où voulez-vous aller, étranger? En Californie, mais je me suis perdu. Ah, je peux vous y conduire pour un bon prix. Accepteriez-vous celui-ci? Lucky Luke! Mais comment? Quand tu enfermes quelqu'un dans une caverne, vérifie qu'il n'y a pas de sortie de secours. Oh, c'est mon ami Lucky Luke. Je vais lui faire une bonne surprise et lui sauter dans les bras. Ah! Mais c'est pas le moment, rentre-plan. Mais si, ça tombe à pic. Ouais, t'es refait. Lâche-moi. Si ça lui fait vraiment plaisir. Bien joué, Jolly. Une tape sur la crinière? Est-ce là vraiment tout ce que mérite mon héroïque sauvetage? Après avoir laissé Frank Malone à la prison la plus proche, je continuais à conduire la caravane jusqu'à ce qu'on arrive en... Californie! Nous voici! Grâce à Lucky Luke. Comment appelez-vous cet endroit, amigo? Hollywood, signore. C'est bien la première fois qu'on a la joie de voir un vrai cow-boy ici. Très long, les nulles. Vous avez réussi, Luke. Oui, beau travail. C'est magnifique. Oh, merci, monsieur Luke. Allons donc, c'était très facile, madame. Mais il manque quelqu'un. C'est encore notre fichu inventeur. Rien ne lui sert de leçon. C'est une invention qui n'aura jamais aucun succès. Allons-y, rentre en plein. Oh, ce pays est vraiment magnifique. Allez-vous rester avec nous en Californie, monsieur Luke? Mais où êtes-vous? I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, down, down, down. Do la la.